Bienvenue dans cette vidéo de formation 3.0. Alors, dans cette formation, je vais explorer avec vous les cours dans Course Networking. Je vais revenir à la page d'accueil. Et je vous l'ai dit, à partir de la page d'accueil, il y a deux façons d'aller dans vos cours. Soit en prenant le sommaire qui est ici à gauche et en cliquant sur un lien, soit en allant chercher dans votre liste de cours. Et je vais reprendre, créer votre formation mixte. Voilà, j'arrive dans mon sommaire avec mon fil d'actualité, et puis si je clique sur afficher toutes les tâches, j'ai le sommaire complet de ce cours. Alors si je viens dans mon cours, vous allez voir que ici j'ai à chaque fois les différents chapitres de mon cours, donc les différents modules de ma formation, et puis ici pour chaque module j'ai différents onglets qui vont me renvoyer à différentes parties de mon cours. D'abord bienvenue avec une photo. Et puis un fichier sonore, donc où je souhaite la bienvenue. Et puis ici, dans cette formation, vous allez rencontrer deux types de titres. Des titres accompagnés d'un carré violet et des titres accompagnés d'un carré vert. Alors ça veut dire que les carrés violets, ce sont des cours obligatoires. C'est vraiment le cœur de votre formation. Et les carrés verts, ce sont des options, sont des choses qui peuvent vous permettre d'approfondir la matière, d'enrichir la matière, d'aller voir un peu plus loin, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc si vous manquez de temps, eh bien concentrez-vous sur les titres violets et revenez peut-être voir les titres verts plus tard. Alors vous allez voir que vous avez dans ce cours, il y a différents médias. Donc on a déjà vu de l'image, du texte, du son. Un lien, alors ce lien, il renvoie vers l'extérieur, il renvoie vers un article de blog qui présente lui aussi la plateforme Course Networking avec ses différents composants. Donc vous pouvez aussi aller y jeter un coup d'œil. Et puis vous voyez que ici vous avez des vidéos que vous pouvez regarder directement ici, que vous pouvez voir en plein écran, ou que vous pouvez les voir sur YouTube si vous souhaitez les voir sur YouTube plutôt que sur la plateforme. Et puis ici, quand vous avez terminé cette page, eh bien vous pouvez aller à la page suivante. Et ici, vous avez un lien qui renvoie vers une présentation extérieure. C'est une présentation de Genially dans laquelle vous allez trouver le programme, de nouveau le programme détaillé de votre formation, qui est votre formateur, quelles sont les compétences que vous allez acquérir au fil de cette formation, etc. Et puis en dessous, vous pouvez télécharger le programme, celui que vous avez reçu normalement déjà de votre formateur, mais vous pouvez le retélécharger au format PDF. Ici, on vous indique comment fonctionnent les points dans le système, puisque le système est gamifié. Ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ici, faisons connaissance, de la même façon que tout à l'heure, un lien renvoyait vers une présentation extérieure. Ici, j'ai un lien qui renvoie vers un questionnaire Google. Donc, vous pouvez également remplir ce questionnaire. Les conseils dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, c'est une présentation Genially, mais qui, elle, est intégrée dans la plateforme. Donc vous ne devez pas sortir de la plateforme pour pouvoir la visualiser. Là aussi, vous pouvez la voir en plein écran. Et bonne nouvelle aussi pour vous, elle est publiée sous licence Creative Commons et vous pouvez la réutiliser. Donc si vous avez déjà un compte Genially, vous pouvez la copier dans votre compte et la modifier, etc. Et si vous n'avez pas de compte Genially, vous pouvez en ouvrir un gratuitement et récupérer cette présentation. Alors, si vous pensez qu'effectivement il y a des choses qui manquent dans cette présentation, eh bien vous pouvez cliquer sur « Dites-nous tout dans un billet » et là vous pouvez faire vos suggestions et me dire par exemple, voilà, suggestion tout simplement, et là me dire « Il manque », voilà, et vous me dites que c'est visible uniquement pour ce groupe. Alors ce groupe, par exemple, vous faites partie du groupe Automne 23, ce VCL, et bien cliquez sur ceci. Et donc, il n'y a que les membres de votre groupe, c'est-à-dire toutes les personnes qui viendront, on va cliquer sur formation, voilà, toutes les personnes qui viendront partager votre expérience, qui participent à la même session, vont pouvoir voir votre billet, mais les autres membres d'autres cours ne pourront pas le voir. Voilà. Alors, e-learning, etc. Donc là, vous avez de nouveau une présentation de Genially. Et puis, vous auriez dû avoir une vidéo, mais qui est absente et que je remettrai dans le courant de la semaine prochaine. Et donc, vous avez une vision un peu globale des cours. Et puis ici, vous pouvez toujours, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, écrire un billet. Donc, ici, je vous ai proposé d'écrire un billet en cliquant
simplement en cliquant sur un lien qui se trouvait à la fin d'une page. Alors ici, vous êtes au bout de la leçon et vous avez un quiz. Et donc si je vais sur l'aperçu, vous allez pouvoir voir le quiz. Et vous avez une série de questions. Donc le microlearning est une technique de formation sur smartphone. Vrai, faux, à vous de voir. Et donc vous avez une série de quiz comme ça, vous en avez en général un ou deux par semaine. Ils comptent dans l'appréciation générale, mais moi je les ai surtout mis pour que vous ayez l'occasion de tester votre connaissance et votre compréhension de la formation. Donc ne paniquez pas avec ces quiz, ne vous rendez pas malade. De toute façon, c'est surtout votre travail hebdomadaire et votre travail final qui vont compter dans l'évaluation.